Je vais donner tout de suite la parole au prochain intervenant, notre collègue Sylvain Soleil, qui est professeur à l'Université de Rennes 1 et qui va nous permettre de prendre un peu de hauteur sur ces enjeux. Et d'une manière générale, je me réjouis d'entendre toutes les interventions qui sont prévues aujourd'hui et demain, qui s'avèrent particulièrement stimulantes. Notre collègue donc Sylvain Soleil va nous parler de la façon d'entrer dans le concert des nations, le privilège d'extraterritorialité des puissances européennes dans les empires ottomans et japonais au XIXe siècle. Cher Sylvain, la parole est à toi. Merci beaucoup. Le son, l'image, tout va bien, Brunsen? Impeccable. Merci beaucoup. C'est pour moi une très grande joie, une très grande chance d'intervenir dans ces travaux de spécialiste de droit européen, parce que pour l'historien du droit que je suis, penser l'extraterritorialité ne va pas de soi, en ce sens que plus on remonte dans le temps, plus on s'aperçoit que pour penser l'extraterritorialité, il fallait en amont penser la territorialité. Et ça n'est de soi ni dans l'Empire romain, qui est un empire commerçant, ni dans les royaumes qui s'instaurent dans ce qu'il est convenu d'appeler le monde médiéval, parce qu'on estime que les droits coutumiers et les statuts personnels peuvent voyager avec leur titulaire. C'est donc une question d'équilibre. Or, dans une thèse récente, celle de Baudouin Ancel, on apprend que c'est entre le XVe et le XVIIIe siècle que la doctrine, la législation et la jurisprudence en France et en Europe plus largement, va imposer une équation nouvelle, souveraineté égale territorialité, donc la territorialité doit devenir le principe et l'extraterritorialité l'exception. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que l'une de ces exceptions va devenir une matrice pour l'extraterritorialité au XIXe. Cette exception, elle est conclue entre François Ier et Suleyman le Magnifique, c'est-à-dire le sultan de la Sublime Porte de l'Empire ottoman, à compter de 1528. Ce qui est accepté, pour des raisons diplomatiques dans lesquelles je n'entre pas, c'est que tout commerçant français, plus largement tout commerçant européen chrétien, qui voyage dans ce que l'on appelle les échelles du Levant, c'est-à-dire les ports de l'Empire ottoman, va se voir appliquer le droit français par le consul de France si le litige concerne deux ressortissants français ou plus largement européens chrétiens lorsqu'ils ne sont pas sujets, ces européens non français, à des statuts particuliers. Ensuite, les autorités ottomanes exécutent la décision qui est rendue par le consul de France, par exemple à Alexandrie. À ce moment-là, il n'est pas du tout question de hiérarchiser le droit ou les juridictions des pays respectifs. C'est un accord qui est un accord diplomatique. Mais cela va servir de matrice au siècle suivant dans un contexte idéologique tout à fait différent lorsqu'on va imposer l'extraterritorialité au Siam, en Chine, et pour les travaux qui sont les miens, au Japon. À compter en effet des accords de 1854-1858 que l'on va appeler dans la doctrine les traités inégaux entre les puissances européennes, les États-Unis et le Japon, le Japon se voit imposer l'extraterritorialité en faveur des ressortissants européens et américains, y compris pour des crimes de sang commis sur le sol japonais. Alors les deux questions qui vont nous intéresser, c'est de savoir comment et pourquoi les puissances imposent l'extraterritorialité, et seconde question, comment est-ce qu'on subit l'extraterritorialité sur son sol. La première question, imposer l'extraterritorialité. Il y a ici trois facteurs qui vont jouer. Le premier, c'est que sur place, dans l'Empire ottoman, comme en Chine et surtout au Japon, la diplomatie française, anglaise, américaine insiste sur les dysfonctionnements judiciaires. Je prends ici un seul exemple. Outré, qui est le consul général du Caire, défend le privilège et s'exclame « Il y a toujours eu en Égypte confusion entre la justice et l'administration. La volonté des vice-rois qui se sont succédés depuis 40 ans, leur caprice, ont servi la plupart du temps de loi. On ne doit pas s'étonner que les tribunaux soient si mauvais et présentent si peu de garanties aux justiciables. » Première indication, insister sur les dysfonctionnements judiciaires des pays en question. Deuxième élément, des règles qui seraient contraires au droit naturel, la formule « droit de l'homme » est également utilisée au XIXe siècle. Là, je vais prendre un exemple japonais, c'est l'exemple de l'île de Goto.
L'île de Gotō est une île dans laquelle une communauté chrétienne s'est instaurée à compter de la prédication des jésuites au XVIe siècle. Et au XIXe siècle, on apprend, en 1869, que les chrétiens de cette île ont été torturés, non pas pour des faits criminels qu'ils auraient commis, mais simplement parce qu'ils sont chrétiens, dans une logique où le Shinto devient la religion d'État. Et à ce moment-là, autre exemple, Outré, qui entre-temps est devenu empereur au Japon, s'exclame « Les puissances européennes ne peuvent rester aveugles devant de telles cruautés. Et si jamais le gouvernement japonais n'intervient pas, il peut s'attendre quelques jours à voir l'opinion publique européenne s'indigner. Et qui sait, les puissances intervenir au Japon dans des conditions qu'aujourd'hui elles ont à cœur d'éviter. » En langage diplomatique, cela signifie que si jamais le Japon n'intervenait pas, ce qui n'est qu'un privilège d'extraterritorialité pourrait se transformer en occupation militaire, éventuellement en colonisation. La troisième raison qui, au XIXe siècle, concourt à faciliter cette logique d'extraterritorialité, c'est la hiérarchisation des civilisations. Il y a mille et une idées qui circulent au XIXe siècle et qui accréditent la divergence de civilisations. Or, par exemple, Montesquieu, qui reste très lu, très reconnu, et qui insistait dans l'Esprit des lois en 1748 sur le fait qu'il y a les bons modèles, l'Angleterre, la Rome classique, et puis les mauvais modèles. Les mauvais modèles, ce sont les modèles despotiques, et parmi eux, la Chine, l'Empire ottoman et le Japon. Tous ces pays doivent, dit Montesquieu, doivent absolument se moderniser, car le droit est cruel. Mais il y a également toute une doctrine raciste qui s'impose au XIXe siècle. Par exemple, Gobineau, qui est lui-même diplomate, dans l'essai sur l'inégalité des races humaines, un ouvrage très édité, réédité tout au long du XIXe siècle, dans lequel il insiste sur le fait que les peuples sont différents par leur nature, parce qu'il y a trois races concurrentes dans le monde, la race blanche, la race noire et la race jaune. Et en insistant sur cette divergence raciale, hein, nous sommes dans un racisme qui prétend être un racisme physiologique et scientifique, Gobineau va infuser un certain nombre d'idées. Ce qui ne veut pas dire au XIXe que tout le monde partage ces idées, mais elles infusent. Ce sont des idées à la mode qui entraînent finalement les voyageurs, les commerçants, les diplomates, les militaires présents dans ces territoires, à considérer que l'extraterritorialité est logique. De l'autre côté, comment réagit-on, comment subit-on l'extraterritorialité? Fondamentalement, il y a deux choses à retenir. La première, c'est que l'extraterritorialité est vécue comme une injustice, comme une humiliation. On peut se fonder ici sur les travaux qui ont été faits sur le Japon, la thèse très récente de Jean-Romain Ferrand-Husse, hein, qui est un élève d'Anthony Merger et qui a soutenu sa thèse au sein de l'IOD, ou la thèse plus ancienne d'Isabelle Landrevi, que je salue. Thèse dans lesquelles on constate la façon dont des transferts juridiques vont s'opérer sur la base d'une revendication, celle de pouvoir entrer dans le concert des nations. En fait, dans ces pays, on considère que l'humiliation qui est subie du fait de l'extraterritorialité nous oblige à moderniser notre droit et à l'occidentaliser pour qu'un jour nous puissions être acceptés par les puissances européennes et américaines comme des nations capables d'entrer dans le concert des nations. Jean-Romain Ferrand-Husse explique notamment que à l'heure du Tanzima, c'est-à-dire la réorganisation dans l'Empire ottoman, c'est un symbole de reconquête de souveraineté administrative et judiciaire de l'Empire ottoman, les réformateurs ont vu d'un mauvais œil l'existence d'un tel régime. Le mot qui revient le plus souvent est le mot d'injustice. La deuxième chose qui est importante à relever, c'est que lorsqu'on subit l'extraterritorialité, cela favorise les réformes. C'est un accélérateur de réforme. Vous avez ici deux exemples, celui du code de commerce dans l'Empire ottoman. Le Tanzima, c'est la période de réorganisation qui va de 1839
décidée par Abdulmessid Ier jusqu'à 1876 et qui va entraîner un certain nombre de réformes, de modernisation et d'occidentalisation, notamment à travers la codification. Et c'est ce qui m'a personnellement tout à fait intéressé, c'est que le modèle qui est évidemment privilégié, c'est le modèle juridique français, le code de commerce de l'Empire ottoman reprend souvent mot à mot le code de commerce français. Dans l'autre empire, l'empire japonais, la période très connue est celle du Meiji, ce qui signifie gouvernement éclairé. Elle va de 1868 jusqu'à la mort de l'empereur Mutsuhito en 1912. Et l'on va envoyer des étudiants en Europe et aux États-Unis. On va accueillir des experts étrangers, notamment français, notamment sur la question juridique. Après l'incident de l'île de Goto, il faut absolument réorganiser le droit pénal et la procédure criminelle. Et on va confier cela à Gustave Boissonnade, qui est un professeur de droit français, et qui va reprendre, en tant que modèle, évidemment, le code pénal français et le code d'instruction criminelle français. De telle sorte que, si l'on avait deux choses à retenir de cette façon de vivre l'extraterritorialité au XIXe, qui ne se termine qu'à l'extrême fin du XIXe siècle au Japon et qui en Égypte va durer jusqu'en 1934, en réalité dans les faits jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y aurait deux éléments à retenir. Le premier élément, c'est que l'extraterritorialité est vécue par ceux qui l'imposent comme la traduction d'une hiérarchisation de modèles juridiques. Les standards, disent-ils, ne sont pas les mêmes. Nos règles juridiques, notre façon de rendre la justice, notre procédure n'est pas la même, de telle sorte que nos ressortissants doivent être protégés. Et l'on va même jusqu'à dire que c'est dans l'intérêt bien compris de ces territoires, parce que si jamais les voyageurs ne sont pas protégés par l'extraterritorialité, sans doute ne feront-ils plus de commerce dans l'Empire ottoman ou au Japon. Et la deuxième chose qu'il faudrait retenir, c'est que l'extraterritorialité a toujours un prix à payer. C'est le sentiment d'injustice et, plus profondément, le sentiment d'humiliation, d'infériorité. On ne peut pas comprendre le nationalisme turc, on ne peut pas comprendre le nationalisme égyptien, on ne peut pas comprendre le militarisme et le fascisme japonais si l'on n'a pas en tête le dossier de l'extraterritorialité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sylvain pour cette belle contribution. Alors je ne vais pas essayer de faire une transition entre l'Empire ottoman, l'île de Goto et la spécialité de l'extraterritorialité dans l'Union européenne. Je vais me contenter de passer la parole à Cécile Rapoport et à Alain Hervé. Merci beaucoup Brunsen et merci beaucoup Sylvain pour cette intervention qui entre en résonance avec ce que l'on va dire, avec notre propos, et notamment avec une branche très à la mode du droit international économique actuel, qui est celui du droit des investissements étrangers. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, la question de l'extraterritorialité, on vient de le voir, constitue un serpent de mer du droit et des relations internationales. Elle était déjà, en son temps, au cœur de l'arrêt fondateur rendu par la Cour permanente internationale de justice dans la fameuse affaire du Lotus en 1928. Elle a aussi incontestablement gagné en actualité ces dernières décennies et plus encore ces dernières années. Cet intérêt renouvelé pour la question de l'extraterritorialité du reste logique, l'édiction croissante de normes ou règles à portée extraterritoriale qui débordent le territoire étatique est inéluctable dans une situation d'intensification des échanges et de la globalisation. Toute puissance politique ou économique significative peut être tentée d'appliquer des normes ou des législations extraterritoriales. En termes de définition juridique, l'extraterritorialité renvoie, selon la formule de Jean Salmon, à la situation dans laquelle les compétences d'un État, législatives, exécutives ou juridictionnelles, régissent des rapports de droit situés en dehors du territoire d'un État. Cette notion, héritée du droit international public et des rapports interétatiques, renvoie donc à l'hypothèse où l'État, voire une organisation internationale dans le cadre de ses compétences, applique ses règles de droit à des situations qui sont situées en dehors de son territoire. Cet espace extraterritorial
peut-être non soumis à la souveraineté de l'État ou au territoire de l'organisation, ainsi la haute mer, mais également relever du dominium d'une entité souveraine. L'extraterritorialité paraît alors heurter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État, ou du moins la logique qui sous-tend ce dernier. Les motivations de l'extraterritorialité sont plurielles. Il peut s'agir de promouvoir des valeurs, comme l'illustre la question de la compétence universelle des juridictions répressives. L'extraterritorialité peut aussi apparaître comme un outil de politique étrangère, comme le démontrent les législations Helms-Burton et D'Amato-Kennedy sur lesquelles nous reviendrons. Il peut également être question, dans le cadre des sanctions, de tenter d'infléchir le comportement d'un tiers. La volonté de garantir des conditions de concurrence égales entre les acteurs économiques, ce que l'on appelle le level playing field, peut encore expliquer des dispositifs tels que la loi américaine de lutte contre la corruption ou même l'actuel projet de taxe d'ajustement carbone aux frontières en discussion au sein de l'Union européenne. Plus généralement, la nécessité d'assurer l'efficacité d'une politique est régulièrement à l'origine de la portée extraterritoriale d'une mesure. Dans certains cas, l'adoption de mesures extraterritoriales va enfin permettre de favoriser l'adoption de règles internationales, bilatérales ou multilatérales. Autrement dit, l'extraterritorialité participe à une dialectique bien connue entre uni et multilatéralisme, la communauté internationale pouvant se résoudre à élaborer un texte conventionnel plutôt que de continuer à subir l'édiction de normes par un nombre réduit d'États. Les normes ayant vocation à se diffuser au-delà du territoire de l'État ne sont pas, au demeurant, seulement celles des acteurs publics, mais aussi celles de personnes privées, notamment des entreprises, par exemple des multinationales qui vont uniformiser les clauses de leurs contrats avec leurs fournisseurs, ou encore les acteurs du numérique qui imposent de fait à leurs utilisateurs une certaine conception de la protection des données ou de la liberté des contenus en ligne. Et les États, ainsi que les organisations internationales comme l'Union, peuvent eux-mêmes être appelés à réagir à cette immixtion de normes exogènes en adoptant des normes, elles aussi, de portée extraterritoriale. Je pense ici au règlement général sur la protection des données personnelles. L'intérêt renouvelé pour l'extraterritorialité se manifeste de différentes manières. Sur le plan politique, tout d'abord, comme en témoigne ces dernières années, l'adoption de nombreux rapports parlementaires consacrés à la question, particulièrement en France. Je pense ici, par exemple, au rapport de Karine Berger et Pierre Lelouch, qui en 2016 avaient déjà analysé avec force détail la question de l'extraterritorialité sous le prisme principalement des mesures américaines. Ce sujet est aussi abordé au sein des institutions politiques de l'Union, bien que de façon plus marginale. On constate un nombre de rapports et de résolutions relativement faible du Parlement européen sur cette question, bien qu'il y ait eu des débats à ce sujet lors de la récente révision du règlement du Parlement européen et du Conseil portant protection contre les effets d'une législation extraterritoriale de la part de pays tiers. Et puis, tout récemment, en décembre 2020, le Conseil européen, dans ses conclusions, évoque la question des mesures ayant des effets extraterritoriaux dans un paragraphe consacré à la relation transatlantique. La doctrine francophone internationaliste a beaucoup travaillé sur cette question ces dernières décennies et plus encore ces dernières années. On pense ici à tous les travaux qui ont entouré l'adoption des lois Helms-Burton et D'Amato-Kennedy dans les années 90 par les États-Unis, et puis le débat intense relatif à la compétence universelle des tribunaux en matière répressive. Sans prétendre ici à l'exhaustivité, on peut mentionner les travaux de l'IREDIES sur la question extraterritoriale, la journée d'études de 2018, ainsi bien sûr que le colloque annuel d'Angers de la SFDI, la Société française du droit international, en 2019, consacré à cette question, avec un prisme dans ce travail de scientifique qui n'est cependant pas celui de la seule extraterritorialité des mesures américaines, mais également la tentative d'une redéfinition de l'extraterritorialité, des interrogations sur sa légalité au regard du droit international et un croisement des approches de la question doctrine publiciste, privatiste, internationaliste et européaniste. De l'ensemble de ces travaux, il ressort notamment que l'analyse des manifestations et des motivations de l'extraterritorialité est aujourd'hui centrale. Par rapport
au débat plus ancien et traditionnel, finalement, on s'aperçoit que la question de la légalité de l'extraterritorialité, du point de vue du droit international, est sans doute moins traitée, moins importante que par le passé, dès lors qu'on a sans doute guère avancé sur ce point depuis la jurisprudence rendue en 1928 par la Cour permanente internationale de justice qui, on le rappellera, distingue l'exercice de la compétence normative qui serait admise au regard du droit international de celle de la compétence d'exécution prohibée car remettant en cause le principe de non-ingérence. Ce paramètre d'examen de la légalité continue en 2021 d'avoir le mérite de la clarté, même s'il ne permet que d'appréhender de façon partielle la question de l'extraterritorialité. Faute de pouvoir, dans la plupart des cas, accéder à une instance internationale à même de se prononcer sur la légalité des mesures en cause, l'appréhension de la licéité de ces mesures extraterritoriales est essentiellement interne aujourd'hui. Et l'on notera à cet égard une diversité de discours, de justifications théoriques et pratiques des mesures en cause qui s'appuient d'abord et avant tout sur la théorie des compétences. La troisième et plus récente édition du très influent Restatement of Foreign Relations des États-Unis tient ainsi à justifier des mesures extraterritoriales sur le plan des compétences en utilisant pour ce faire trois critères principaux, un critère territorial tout d'abord, qui permet d'ailleurs d'inclure la théorie des effets que l'on retrouve en droit de l'Union, un critère personnel pour tout ce qui concerne les nationaux, y compris des faits commis contre ces personnes ou concernant ces personnes à l'étranger, et puis un critère que l'on appelle le critère réel, qui couvre des faits dirigés directement contre la sécurité de l'État ou éventuellement certains intérêts publics, ce dernier critère étant, on conçoit, particulièrement large. Et ce même document précise également que la compétence juridictionnelle concernant des personnes ou activités ayant des connexions avec une autre juridiction étatique ne doit pas être exercée lorsque cela serait déraisonnable. On peut d'ailleurs noter que finalement la majorité de la doctrine francophone et même européenne, souvent encline à dénoncer l'extraterritorialité du droit américain, admet en définitive sensiblement les mêmes fondements de compétences qu'aux États-Unis pour justifier une mesure qui potentiellement s'applique au-delà du territoire national, compétence territoriale, nationale, sécurité nationale ou encore nécessité de fonctionnement du service public, voire même en ce qui concerne la matière pénale, je l'ai dit, la compétence universelle. L'extraterritorialité peut encore, aux yeux de certains, se justifier par le truchement de la compétence monétaire, utilisation du dollar et lien de celui-ci avec les chambres de compensation, comme c'était par exemple le cas dans le cadre de l'affaire BNP Paribas, affaire qui pose le problème du privilège exorbitant du dollar. On doit aussi préciser qu'en dépit de la multiplicité des législations extraterritoriales et contrairement à certains présupposés, les juridictions américaines rejettent régulièrement la compétence extraterritoriale. Il ressort de la jurisprudence Morrison et Kiobel de la Cour suprême une présomption contre l'extraterritorialité qui ne peut être levée que si le Congrès a souhaité la portée extraterritoriale de la loi américaine. En réalité, le problème juridique posé par le droit américain est surtout lié aux procédures dites transactionnelles. Dans le cadre de ces procédures, les autorités de poursuite, finalement, ne s'embarrassent guère de la question du titre de compétence. Et c'est ainsi que des entreprises non américaines, BNP Paribas, Alstom dans les années récentes, ou encore Airbus, face aux risques et aux aléas du procès, et de façon aussi à éviter des mesures provisoires ou des mesures conservatoires, préféreront généralement payer de fortes pénalités et mettre en œuvre des politiques internes de conformité au droit américain. Le système transactionnel permet ainsi d'imposer des mesures d'exécution extraterritoriale, potentiellement contraires non seulement au droit international, mais peut-être aussi à la jurisprudence des tribunaux américains eux-mêmes. L'extraterritorialité n'est au demeurant pas l'apanage des États-Unis. Le Conseil constitutionnel français avait déjà, en 1982, dans sa fameuse décision nationalisation, eu l'occasion de se prononcer sur la question. Et puis plus récemment, on peut citer, s'agissant du cas français, la loi de 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,
qui prévoit, par exemple, l'obligation pour les entreprises ayant leur siège social en France de mettre en place un dispositif de lutte contre la corruption, y compris si les faits ont été commis à l'étranger. Je renvoie aussi à la loi du 23 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre, qui pourrait d'ailleurs être transposée en droit européen. Il y a une proposition qui doit arriver dans les prochaines semaines à ce sujet de la part de la Commission. D'aucuns craignent aussi que de nouvelles puissances, en particulier la Fédération de Russie et bien entendu la République populaire de Chine, en viennent également à faire usage de lois extraterritoriales. Et bien entendu, l'objet de ce colloque est de démontrer en quoi l'Union européenne contribue, elle aussi, à ce phénomène mondial, tant au titre de ses réactions aux mesures étrangères que de l'adoption de normes qui régissent des situations dépassant le cadre de son territoire. Toute extraterritorialité dérange lorsqu'elle est subie et arrange lorsqu'elle est pratiquée. La formule empruntée ici à Bérangère Taxil invite naturellement à s'interroger sur l'Union européenne, mais pour ce faire, je vais laisser la parole à Cécile. On ne t'entend pas, Cécile. Là, est-ce que vous m'entendez? Bon, parfait. Alors, merci Alan. Dans le cadre de nos interrogations sur le rapport entretenu par l'Union européenne avec le phénomène de l'extraterritorialité, nous nous sommes demandé dans quelle mesure les caractéristiques spécifiques de l'Union étaient potentiellement susceptibles de la singulariser, qu'il s'agisse de ses réactions à l'extraterritorialité du droit des tiers ou de sa production d'un droit extraterritorial. Alors, si on enfonce brièvement quelques portes ouvertes sur les caractéristiques de l'Union, on rappellera que sur le plan juridique, l'Union européenne est une organisation régionale d'intégration et non un État souverain, et qu'à ce titre, elle constitue une entité collective sans autre territoire a priori ni ressortissant que ceux de ses États membres et dans les conditions définies par eux, telles que précisées bien sûr par les traités. Ces compétences sont régies par un principe d'attribution et sont mises au service d'objectifs à atteindre dans le respect des valeurs qui la fondent. Sur le plan externe, d'ailleurs, les traités prévoient que l'Union a une ambition d'affirmation sur la scène internationale et révèle un certain attachement au multilatéralisme et au respect du droit international public. Sur un plan plus géopolitique, cette fois-ci, l'Union jouit également d'une certaine attractivité. Elle est incontestablement une puissance commerciale qui nourrit de surcroît l'ambition d'apparaître comme une puissance exemplaire. Et ces singularités nous semblent de nature à affecter la manière dont l'Union appréhende l'extraterritorialité. Il nous semble ainsi tout d'abord que la nature juridique et la charte constitutionnelle de l'Union produisent un effet canalisateur de l'extraterritorialité de son droit. Il nous semble ensuite que l'attractivité de l'Union pourrait produire un effet démultiplicateur des effets extraterritorialité de son droit. Et il nous semble enfin que ces deux caractéristiques de l'Union évoquées, nature juridique et attractivité, influencent également ses réactions aux normes extraterritoriales déployées par les pays tiers. Alors, s'agissant du premier effet, l'effet canalisateur, il nous semble que le cadre juridique de l'Union n'empêche pas, voire au contraire, parfois suscite la production d'effets extraterritoriaux par son droit. L'extraterritorialité peut en effet apparaître comme un instrument nécessaire à la protection des intérêts, des valeurs de l'Union, à la poursuite de ses objectifs. Toutefois, il peut également le cadre juridique peut venir encadrer la manière dont la production territoriale, extraterritoriale du droit opère et ainsi garantir une certaine maîtrise de cette production. Alors, la nécessité d'un effet extraterritorial d'une disposition semble en effet guider et justifier à nombreux égards la démarche de l'auteur de la norme ainsi que son interprète qu'est le juge. De fait, lorsqu'elle a été consciemment introduite par l'auteur d'un acte, l'extraterritorialité d'une disposition fait très souvent l'objet d'une justification que l'on trouve dans les préambules des actes qui la renferment. Ces derniers évoquent alors souvent la nécessité d'un champ d'application territorial de la norme
permettant à l'acte d'atteindre les objectifs recherchés. Alors, au passage, on ne parle jamais, on n'utilise jamais le terme extraterritorial. On parle toujours d'un champ d'application territorial qui, en pratique, dépasse largement le territoire des États membres de l'Union. Donc, la volonté, la nécessité d'un champ permettant d'atteindre les objectifs, la volonté de lui faire produire un effet utile, et, par exemple, en évitant des risques de contournement. On va retrouver ce genre de terminologie dans les décisions PESC ou dans des actes législatifs de l'Union. On va retrouver ces formulations. Parfois, c'est le juge qui, dégageant une interprétation extraterritoriale de l'Union, là encore sans jamais le reconnaître expressément, la justifiera par la nécessité d'assurer l'effectivité d'une protection ou la continuité d'une protection au profit de personnes bénéficiaires. Alors l'exemple récent qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est évidemment la protection des données personnelles. Si je prends par exemple l'avis 1.15, mais d'autres jurisprudences le mentionnent, on voit que le droit à la protection des données à caractère personnel, je pense que ce sera évoqué un peu plus tard, exige, je cite, que la continuité du niveau élevé de protection des libertés et droits fondamentaux conférés par le droit de l'Union soit assurée en cas de transfert des données à caractère personnel depuis l'Union vers un pays tiers. Donc toujours une tentative de justification de cet effet territorial qui dépasse le cadre de l'Union. Outre la nécessité qui constitue cette justification, l'Union tend à faire preuve également, et sans doute en raison de son cadre de son action, d'une certaine retenue dans son recours à l'extraterritorialité. L'Union a en effet le souci de la conformité de ses dispositions extraterritoriales au droit international public. Ainsi, même lorsqu'elle applique son droit à une situation née hors de l'Union et ne concernant pas des ressortissants ou des résidents d'États membres, l'élément déclencheur de l'application prend souvent la forme d'une connexion territoriale lui permettant de mettre en avant la conformité de sa mesure avec le principe de territorialité ou avec le critère de nationalité. Par exemple, un avion d'une compagnie aérienne établie hors de l'Union qui atterrit au sein d'un aérodrome situé sur le territoire d'État membre va être l'élément déclencheur de sa participation au système européen d'échange de quotas d'émissions. Ou encore, les marins étrangers servant à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre va être l'élément déclencheur de la soumission de ces marins étrangers aux qualifications professionnelles prévues par le droit de l'Union, même s'ils opèrent en dehors des eaux territoriales des États membres. L'Union va parfois circonscrire également l'intensité de l'effet extraterritorial, admettant de prendre en considération, de reconnaître la réglementation de l'État tiers. Par exemple, si cette réglementation respecte le droit multilatéral pertinent. Alors, dans l'exemple de nos marins étrangers, si l'État tiers respecte une convention internationale sur la formation des gens de mer, il y aura une procédure de reconnaissance de la validité de ces qualifications. Ou également, si la législation de l'État tiers offre un standard de protection équivalent, bien la pratique des décisions d'adéquation, par exemple en matière de protection des données, permet une reconnaissance et donc une certaine retenue de l'Union. Cette forme de retenue peut ainsi servir, nous semble-t-il, le multilatéralisme et la coopération internationale. Un autre effet qui nous semble être intéressant, c'est un effet démultiplicateur de l'extraterritorialité du droit de l'Union que génère l'attractivité de celle-ci. L'Union est indéniablement un pôle d'attractivité économique et cette attractivité économique va être par exemple un facteur de diffusion de son droit mais aussi de la production, de l'effet extraterritorial de ce droit. C'est parce que les opérateurs économiques souhaitent accéder à son marché que ceux-ci peuvent se voir contraints par l'Union de rendre compte de comportements et actions intervenus hors du territoire de l'Union. Ainsi, l'attractivité de l'Union permet aux dispositions extraterritoriales de son droit de produire leurs effets très largement, dès lors, par exemple, que l'application des normes européennes à des situations extraterritoriales devient une condition d'accès à son marché intérieur. L'Union est également un pôle de stabilité politique qui est attractive à ce titre, ce qui lui donne également une capacité à sanctionner au moyen des mesures restrictives. C'est parce qu'elle exerce cette attractivité que des ressortissants d'États tiers ont des comptes bancaires, ont des lieux de résidence, qu'ils viennent séjourner, transiter au sein de l'Union, et donc que l'Union est en mesure d'avoir prise sur leurs avoirs lorsqu'elle souhaite adopter à leur encontre des mesures restrictives. Plus globalement, l'Union européenne constitue également un pôle d'attractivité politique pour les États de son voisinage en particulier, avec lesquels elle a de nombreuses interdépendances de fait et de droit. Lorsqu'ils appliquent, par exemple, un droit matériel en substance similaire
à celui de l'Union, parce que l'Union a diffusé son droit et a influencé le droit de ces pays, eh bien, ils seront parfois conduits à leur tour à donner une portée extraterritoriale aux dispositions inspirées du droit de l'Union qui ont cette caractéristique en droit de l'Union. Donc, on a, en fait, en exportant les normes européennes, on exporte aussi potentiellement leur extraterritorialité, leur effet extraterritorial. De même, lorsqu'ils sont matériellement très intégrés à l'Union européenne, dans le cadre d'un accord, créant par exemple un espace normatif commun, je pense notamment à l'espace aérien européen commun, eh bien, parfois, l'accord va aller jusqu'à habiliter les institutions de l'Union à exercer leurs compétences dans l'État tiers. Et donc là, on va au-delà de l'extraterritorialité de la norme et on va aussi vers l'extraterritorialité de l'exécution de la norme, mais conventionnellement acceptée et, par le tiers. C'est encore l'attractivité politique de l'Union qui va conduire certains États tiers, me semble-t-il, même s'il faut que ça soit évidemment en lien avec leurs intérêts, mais qui va les conduire à s'aligner volontairement sur les sanctions internationales de l'Union lorsque celle-ci les invite, au gré de ces déclarations, à rejoindre et à aligner leur position sur les mesures restrictives qu'elle adopte. Donc, puissance attractive, véhiculant autant que possible l'image d'une puissance exemplaire, il n'est pas à exclure, et ce sera notre dernier point, que la nature juridique de l'Union affecte les modalités de sa réaction à l'extraterritorialité, mais également que sa conception d'une extraterritorialité licite influence sa perception des manifestations extraterritoriales venant d'États tiers. Même si naturellement, les sanctions extraterritoriales des États-Unis sont celles, les mesures extraterritoriales des États-Unis sont celles qui posent le plus de problèmes ou qui suscitent généralement les critiques les plus vives. On notera que l'Union prend le risque en dénonçant certains des comportements américains, lorsqu'elle le fait avec une argumentation juridique trop construite, de se voir opposer ensuite la même argumentation juridique si à son tour son droit produit des effets extraterritoriaux, ce qui peut l'inviter à une certaine réserve ou un certain flou dans l'argumentation. En outre, il n'est pas à exclure que la nature juridique de l'Union contribue à édulcorer l'expression de ses positions internationales qui sont le fruit de négociations et de compromis. De même, la traduction normative de ses positions pourrait avoir, dans certaines hypothèses, à pâtir du degré ou d'un degré d'intégration suffisant du domaine dans lequel il conviendrait de réagir. Par exemple, s'il s'agit de réagir en matière pénale, la répartition des compétences peut rendre cette réaction de l'Union plus difficile. En outre, même si les hypothèses sont là plus spécifique, l'appréhension de l'Union européenne, de l'extraterritorialité du droit des États tiers n'est pas toujours une appréhension critique, notamment lorsqu'elles servent les intérêts et objectifs de l'Union. Alors, la question ne sera pas forcément abordée dans le cadre d'une communication dédiée, mais dans ce colloque, mais signalons que certains accords externes de l'Union reconnaissent le fait que l'État co-contractant fera une application extraterritoriale de l'accord ou de son droit interne dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Nous pensons notamment aux accords relatifs en matière au transfert de personnes dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime, ou encore les accords conclus avec le Maroc suite aux arrêts Front Polisario au Western Sahara. Dans le cadre des accords de transfert de pirates, l'Union appréhende des personnes soupçonnées d'actes de piraterie hors des eaux territoriales de l'Union pour les remettre aux autorités d'un État tiers dont ils ne sont pas ressortissants, qui se chargera de les juger et, le cas échéant, de les incarcérer pour des faits commis hors du territoire de l'État qui juge. Si on prend le cas de l'application des accords UE-Maroc au territoire non autonome du Sahara occidental, eh bien, la Cour avait bien spécifié dans les arrêts Front Polisario Western Sahara que l'accord de pêche et l'accord d'association ne pouvaient s'appliquer en tant que tel au Sahara occidental. Eh bien, il a fallu renégocier des protocoles à ces accords sous forme d'échanges de lettres à la suite des arrêts de la Cour pour bien préciser que le Sahara occidental n'était pas inclus dans le terme territoire du Maroc, mais que néanmoins les accords s'appliquaient au territoire non autonome du Sahara occidental dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord UE-Maroc, des accords UE-Maroc. Ces deux exemples témoignent, si besoin en était, du poids que peuvent jouer les intérêts de l'Union dans l'appréhension du phénomène extraterritorial, en dépit d'éventuelles singularités qui pourront peut-être être mises en avant tout au long de ce colloque. Ainsi, différents éléments laissent, selon nous, penser qu'il y a une singularité de l'Union européenne sur la question de l'extraterritorialité, mais ce n'est évidemment qu'une hypothèse que nous soumettons à la réflexion collective des participants à ce colloque, que nous remercions une nouvelle fois pour leur présence virtuelle, mais leur participation réelle. Je vous remercie.
Merci beaucoup Cécile et Alan pour ces éclairages déjà très, très substantiels. Je vais immédiatement passer la parole à Charlotte Bossillon qui est professeure à l'Université de Lille et qui va aborder la question de l'Union européenne et de l'extraterritorialité sous l'angle des sanctions internationales comme ordre juridique transnational. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier tous les deux, Cécile et Alan, pour votre invitation. Je suis absolument ravie de participer à ces deux jours d'études et d'échanges. Et j'espère que cette présentation va rentrer en juste écho avec ce qui vient d'être dit. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, j'ai proposé la notion de juridique transnational comme complément ou comme élément de discussion supplémentaire pour aborder la notion d'extraterritorialité et ceci au prisme des sanctions internationales parce que c'est un exemple très, très actuel et très, très fourni. Peut-être de manière extrêmement rapide, je voudrais signaler que cette réflexion est issue des résultats d'un premier projet de recherche sur les sanctions unilatérales et extraterritoriales qui a donné lieu à plusieurs éléments de recherche collective et notamment qui va donner lieu à la publication d'un ouvrage cette année. Et justement, j'y pensais par rapport à ce que tu disais, Alan, les auteurs, notamment russes et surtout l'auteur chinois, nous a permis d'avoir accès à des sources qui nous montrent que, en effet, la Chine a adopté pour la première fois en septembre dernier la première liste de cibles de mesures vraisemblablement à portée extraterritoriale, ou en tout cas qui pourrait en avoir une dans le futur. Et donc, ceci est en lien avec la guerre économique États-Unis-Chine, ce qui me semble une donnée intéressante. Surtout, ce que je voulais vous dire à ce propos, c'est que, évidemment, la notion de sanction ici est à prendre avec des guillemets, puisque c'est une facilité de langage et c'est plutôt des mesures restrictives ou des mesures de coercition pacifique. L'unilatéralisme, je n'y reviens pas, mais c'est un peu la clé de lecture qu'on retient traditionnellement, mais c'est surtout l'extraterritorialité ici. Ce qui est intéressant, c'est que cet objet des sanctions internationales, extraterritoriales, il permet de mettre en lumière, d'une part, le recours à la théorie des titres de compétences qui a été présentée même dans la présentation du privilège de l'extraterritorialité avec ce titre territorial et ce titre personnel qui viennent s'entrechoquer avec des potentielles appréciations extrêmement extensives du titre territorial et par exemple la monnaie, donc le dollar en l'occurrence. Mais on a aussi une deuxième version de l'extraterritorialité en ce qui concerne les sanctions, c'est ce qu'on appelle les sanctions secondaires et qui explique la force très surprenante du droit américain en la matière, puisque ces sanctions secondaires menacent tout opérateur économique qui entrerait en relation d'affaires avec une personne qui est désignée par une liste américaine. Et c'est ce qui explique aussi le désir de transiger des opérateurs économiques étrangers qui craignent de se voir exclure des relations économiques et du marché américain. Pourquoi est-ce que je rappelle cela? C'est que nous avons rencontré deux limites dans l'étude de ces sanctions et de l'extraterritorialité. La distinction entre droit public et droit privé qui empêche, comme deux faces du même problème, de saisir le mécanisme de l'extraterritorialité dans son ensemble. Et la distinction entre droit et sociologie du droit, puisqu'on a besoin de prendre en considération le comportement des opérateurs et le comportement des destinataires des normes juridiques qui va influer sur l'efficacité de la norme extraterritoriale et l'exécution du droit. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite soumettre à notre discussion, puisque c'est une recherche en cours, la question de savoir s'il serait intéressant de recourir à la théorie des ordres juridiques transnationaux pour rassembler ces perspectives et fournir un outil d'analyse complémentaire à ceux qui viennent d'être exposés et que je partage totalement. Donc, de manière, encore une fois, assez rapide, on voit bien que les sanctions internationales correspondent totalement à la perspective de nos deux journées, d'études. Elles sont à portée extraterritoriale sans aucun doute, et l'Union européenne, si l'on s'intéresse à son action, a une part active dans ce phénomène. Elle édicte des mesures restrictives, partiellement extraterritoriales, et elle a aussi un rôle passif puisqu'elle se trouve confrontée aux mesures étrangères. Ce que j'aimerais ajouter peut-être, c'est une deuxième approche
Et qu'en serait-il si on considérait le marché intérieur et les opérateurs économiques comme des vecteurs de l'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'on changeait un petit peu de perspective et que finalement, on ressent bien de manière assez intuitive que le marché intérieur et les opérateurs sont des vecteurs de l'extraterritorialité étrangère, mais pourrait-on imaginer, dans le cadre de l'évolution de l'action extérieure de l'Union européenne, d'utiliser ce marché intérieur et ses vecteurs pour l'exportation des valeurs et la projection des valeurs de l'Union européenne? C'est tout à fait en lien avec ce que tu disais, Cécile, il y a quelques instants. À cet égard, le concept d'ordre juridique transnational a été développé dans la suite de nombreux travaux, dont ceux très importants de Philippe Jessop, en 2015 par Terence Halliday et Gregory Schaeffer. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans leur proposition, c'est que l'ordre juridique transnational est un instrument qui est mobilisé dans des situations ou dans des domaines du droit qui sont considérés comme étant en désordre du fait de leur fragmentation. Et donc, on rencontre un problème à se saisir de l'ordonnancement juridique. Et c'est essentiellement ça qu'on rencontre en matière de sanctions extraterritoriales. Et c'est ce que je voudrais développer. Donc, ici, je vais m'intéresser à la singularité de la pratique de l'Union européenne en la matière, puisque ça fait partie de notre cahier des charges, et à mon sens, et je concorde avec ce qui vient d'être dit, elle est indéniable. Du point de vue de l'édiction des mesures restrictives, l'Union européenne adopte des mesures restrictives qui lui permettent de projeter ses valeurs sur la scène internationale, en conformité avec l'article 3, paragraphe 5 de son traité sur l'Union européenne, et aussi avec l'article 21 du traité sur l'Union européenne. Et l'Union européenne pratique une extraterritorialité mesurée, en ce sens qu'elle a recours à la théorie des titres de compétences et que la plupart du temps, l'extraterritorialité est liée à un titre personnel et qui est justifié par le lien de nationalité. Et donc, du point de vue du droit international public, c'est une extraterritorialité qui ne pose pas de difficultés particulières. En revanche, elle développe des techniques alternatives pour assurer que ces mesures restrictives aient un impact à l'étranger, mais par d'autres moyens que l'extraterritorialité, et au-delà de l'invitation d'États tiers à suivre ces mesures, elle pratique la contractualisation ou la conventionnalisation de ces mesures, et notamment dans le cadre de son action auprès d'organisations internationales tierces, en conditionnant le financement des organisations internationales au respect d'un certain nombre de règles, y compris parfois de ces mesures restrictives, et c'est ce qui ressort de l'étude des accords cadres de l'Union européenne, notamment avec l'Organisation des Nations Unies, ce qui est une découverte assez intéressante. En ce qui concerne la réaction aux sanctions extraterritoriales tierces, on va en parler demain, donc je ne vais pas bien sûr le développer. Néanmoins, à mon sens, c'est aussi une singularité de l'Union européenne. On a parlé déjà du règlement de blocage de 1996, Mais certains auteurs, notamment du projet Comply, qui participent à cette journée d'études ou qui y assistent, ont mis en lumière le caractère parfois inadéquat de ce règlement de blocage. Et donc, on pourrait en discuter demain, plus avant. Et aussi, les lois nationales qui correspondent à cette volonté d'empêcher le droit étrangers à portée extraterritoriale de produire ces effets dans l'ordre juridique de l'Union sont assez surprenantes et peu efficaces. Je pense à la loi française de blocage de 68 qui n'a de blocage que le nom, qui est une loi qui porte sur l'échange d'informations en dehors des conventions pertinentes, et particulièrement aussi à la loi lettonne qui autorise la Lettonie à exécuter les sanctions tierces de ses partenaires dans le cadre de l'OTAN. Donc, il est difficile de ne pas voir les États-Unis derrière cette formulation large. Et ça pose aussi question par rapport à la conformité de cette loi à ce qu'exigerait le droit de l'Union européenne. Et puis, on l'a mentionné, l'Union développe un arsenal de négociations qui est très important. On pense au cadre de l'OMC avec la négociation avec l'administration Clinton suite à l'adoption des lois Helms-Burton et D'Amato Kennedy qui a permis d'obtenir des États-Unis qu'ils suspendent l'application de ces lois à l'encontre des ressortissants européens.
Il se trouve que, évidemment, cet état de la négociation a volé en éclats sous l'administration Trump. Et visiblement, l'administration Biden n'a pas l'intention de modifier sa politique de sanctions. On parlera aussi des adaptations comme Instex, et donc j'y reviens pas. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que malgré tous ces éléments de singularité de l'action de l'Union européenne, en matière de sanctions internationales, on voit peut-être une petite tendance à l'alignement sur la pratique des États-Unis, ce qui est assez surprenant vu le clivage politique très fort entre les deux blocs. Un alignement par la multiplication des sanctions unilatérales et parfois extraterritoriales, c'est ce que tu disais, Cécile, et particulièrement dans le cadre de l'Iran, c'est très très net. À partir de 2010, l'Union européenne adopte des mesures unilatérales aux côtés des États-Unis, et c'est ce qui explique, je pense, partiellement le fait qu'elle n'ait pas recours à l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui, par peur de créer un précédent qui la lierait. Uniformisation ou un alignement des techniques, on parlera des sanctions horizontales et thématiques, la duplication du Magnitsky Act, mais pour l'Union européenne, on peut aussi penser aux sanctions relatives aux cyberattaques ou relatives à l'utilisation d'armes chimiques, on pense au précédent Navalny par exemple, qui sont des techniques qui sont utilisées par les États-Unis depuis très longtemps. Et puis aussi un alignement des sources, parce que les sources de renseignements nécessaires à l'édification des listes de cibles de sanctions sont largement utilisées par l'Union européenne et partagées avec des tiers, parmi lesquels les États-Unis. Donc ça pose un certain nombre de questions. Alors, pourquoi les ordres juridiques transnationaux pourraient nous servir de cadre complémentaire? Ils permettraient de répondre à deux problèmes que j'identifie. Cette fragmentation du droit avec la multiplication de sanctions unilatérales et extraterritoriales qui génère une imprévisibilité pour les destinataires des injonctions juridiques, c'est-à-dire les opérateurs, les personnes privées, et qui, comme tu le disais, Alan, finalement fait que ces derniers ont généralisé les mécanismes de réduction des risques, qu'il s'agisse de programmes de compliance, de diligence, et que finalement cela prend la proportion de la mesure de leur exposition internationale. C'est-à-dire que plus ces groupes ou ces entités transnationales sont exposées à différentes juridictions étatiques et plus elles sont dépendantes du dollar américain, plus elles vont être diligentes et s'écarter progressivement dans leur exécution du droit, de la lettre, de la norme. Et c'est particulièrement cela à quoi tente de répondre ce cadre théorique de l'ordre juridique transnational, en permettant d'apprécier ou en essayant d'apprécier le caractère régulatoire du droit et particulièrement son effet sur le comportement des sujets qu'il vise à régir. Et donc, c'est vraiment cette question que j'essaye de poser ici. Comment réconcilier l'approche de la théorie des titres avec une approche qui est plus proche du droit international privé ou du droit transnational pour permettre de comprendre le mécanisme sur lequel repose l'extraterritorialité et par lequel il produit ses effets. Alors, de manière peut-être plus rapide, pour la question de la qualification des sanctions comme ordres juridiques transnationaux, il s'agit bien de normes qui sont produites de manière conjointe ou totale par des organisations qui vont au-delà du cadre étatique. On pourra en rediscuter. Elles produisent des effets extraterritoriaux. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est le troisième point, c'est qu'il s'agit d'un ensemble composite d'actes, de décisions, de standards et de pratiques à des niveaux juridiques divers, ordre national, régional et international. Et finalement, peut-être que cet ordre juridique transnational peut servir de matrice pour remettre en relation les normes à portée extraterritoriale et l'étude de la législation nationale du point de vue du droit public, les relations d'affaires qui se constituent en fonction et qui relèvent plutôt de la logique privée, mais aussi les normes d'origine privée, notamment les standards qui sont générés dans cette logique transnationale. Alors, du point de vue de l'étude de l'Union européenne et de l'extraterritorialité, je pense que ça fait apparaître de nouveaux enjeux. Peut-être que ce cadre d'analyse permet de dépasser la fragmentation qu'on vient de voir, en fait, une fragmentation théorique. Alan t'a donné une vision un peu extrême de l'arrêt du Lotus et de l'extraterritorialité, qui est souvent, d'ailleurs,
utilisé par les Américains pour dire que finalement tout acte d'exécution est réalisé sur le territoire national et que finalement l'extraterritorialité n'existe pas matériellement, et ça c'est assez intéressant, et qui vient s'opposer à une vision plutôt européenne de la théorie des titres de compétences qu'on utilisait comme rempart aux abus de puissance et à l'abus de pouvoir finalement. Mais ça peut aussi être un moyen de dépasser cette fragmentation de la pratique avec cette espèce de divorce entre diligence financière, réduction des risques et puis portée normative du droit positif. Je dois avouer aussi que ce qui m'intéresse particulièrement pour l'étude des relations extérieures de l'Union européenne, ce serait d'essayer d'inverser la perspective. Je conclurai bien sûr par là. Est-ce que on peut comprendre la perméabilité de l'ordre juridique de l'Union européenne à cette extraterritorialité étrangère, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser aussi cet ordre juridique transnational pour la projection de certaines valeurs ou de certaines normes de l'Union européenne ? Et à cet égard, en matière de sanctions internationales, ce serait difficile d'ignorer la contribution qui est généralement acceptée de l'Union européenne à l'édification d'un régime juridique de protection des droits de l'homme en matière de sanctions internationales qui finalement est allé jusque dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies avec la création de mécanismes un petit peu plus protecteurs, et je pense ici à la RECADI et à ses suites. Et aujourd'hui, en matière de sanctions internationales, il y a des questions très importantes qui se posent, des champs normatifs que l'Union européenne pourrait investir. Je pense à l'impact humanitaire des sanctions unilatérales qui est rapporté dans de nombreux documents internationaux et aussi dans la jurisprudence internationale. L'affaire Iran contre États-Unis est actuellement pendante devant la Cour internationale de justice et porte notamment là-dessus. Il y a aussi le rapporteur spécial des Nations Unies qui travaille sur cette question-là. L'effet cumulé des sanctions unilatérales à portée extraterritoriale aujourd'hui est parfois équivalent aux sanctions globales qu'on a imposées dans les années 90 et peut créer des crises humanitaires. Et ici, il semble que l'objectif de respect de la dignité humaine, de respect des droits de l'homme et de respect du droit international qui lie l'Union européenne pourrait être un levier et l'objet d'une contribution intéressante. Par ailleurs, dans un champ tout à fait différent, la conception d'une régulation financière globale pourrait être intéressante pour l'Union européenne, puisqu'on voit qu'en pratique, les sanctions internationales sont exécutées par les opérateurs avec les normes anticorruption, les normes anti-blanchiment et les normes anti-financement du terrorisme. Et donc, la question que je pose aussi, c'est quel est l'apport potentiel de l'Union européenne à l'édification de cette régulation financière globale plutôt que de la subir par le biais de son marché intérieur. Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup pour votre attention et j'ai hâte d'en discuter avec vous. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette contribution tout à fait passionnante. Alors, on a quelques minutes pour la discussion. Alors, je vais essayer. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'ores et déjà de questions sur le chat. Peut-être que certains participants souhaitent réagir de façon un peu plus directe aux différentes contributions. Alors, peut-être je vais me donner la parole pour une question un peu générale, histoire de lancer la discussion, et pardon pour cette question un peu de néophyte, mais c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez sur les sanctions internationales, moi je me demandais, quand on a des mesures restrictives prises par l'Union européenne à l'encontre d'États tiers ou presque d'État tiers, parce que vous faisiez allusion dans votre contribution aux mesures restrictives qui ont été adoptées par l'Union européenne, notamment suite à des cyberattaques, et les premières mesures restrictives qui ont été adoptées en juillet dernier. Et quand on voit les personnes qui sont ciblées, alors il y a des personnes physiques, mais il y a des organismes, et notamment un centre principal pour les technologies spéciales qui est directement rattaché à l'état-major des forces armées russes. Donc, c'est un peu quand même indirectement, ou peut-être assez directement, la Russie qui est visée. Est-ce qu'on est encore dans une forme d'extraterritorialité
ou est-ce que c'est une forme de juridicisation des relations internationales qui prendrait une forme un peu particulière? Alors moi, j'ai, en tant que positiviste, j'ai une vision assez peu normative des relations internationales, mais du coup, est-ce que c'est toujours une forme d'extraterritorialité, selon vous? Je pense que c'est une question, merci beaucoup, qui est fondamentale et qui mériterait vraisemblablement un peu plus d'élaboration. On retrouve ce mécanisme aussi dans les sanctions chimiques, avec le ciblage de certaines personnes qui ont utilisé du Novichok, et le lien avec l'État russe est établi, puisque c'est une substance qui a été réalisée et maîtrisée essentiellement par l'État russe. Donc on a ce lien extraterritorial, enfin ce rattachement indirect ou en tout cas implicite à l'État. Et je crois que c'est justement une des réponses. Je ne l'avais pas vu dans ce sens-là. Moi, le recours aux sanctions thématiques, je l'avais compris comme une tentative justement de ne pas faire dégénérer de relations interétatiques, donc de ne pas stigmatiser un État en particulier, mais en disant nous nous intéressons essentiellement aux personnes privées qui seraient responsables de cela. Donc je le voyais plutôt du point de vue des immunités en réalité que de l'extraterritorialité. Mais c'est une manière de changer la perspective. Donc, il est vraisemblable que l'effet vers les tiers ne soit qu'un effet politique. Il faudrait regarder de manière concrète, puisqu'effectivement, les mesures qui sont adoptées dans ces cadres-là, c'est essentiellement des gels de fonds et d'interdiction d'entrée sur le territoire, et leur exécution est limitée au territoire de l'Union. Donc ici, on est bien évidemment dans un cadre qui n'est pas d'application extraterritoriale. Mais la portée, c'est aussi peut-être la distinction qu'il faut faire en amont quand on parle de sanctions, c'est que l'effet politique est toujours extraterritorial, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a recours à l'extraterritorialité du droit. Par ailleurs, l'Union européenne se lie dans sa pratique des mesures restrictives, elle s'engage dans ses lignes directrices à ne pas avoir recours à une extraterritorialité qui irait au-delà de la théorie des titres de compétences. Donc, en ce qui concerne les sanctions, il est peu probable que cela évolue, sauf à conclure des accords de manière spécifique avec des tiers. Mais je me posais cette question-là, notamment... et peut-être c'est plutôt une question pour Sylvain Soleil, pour traverser les périodes et les époques. Est-ce que l'extraterritorialité, au regard de l'évolution des politiques chinoises et russes, pourrait de nouveau être considérée comme une forme de privilège? Et dans quelle mesure? Puisque j'entends bien qu'il ne s'agit pas tout à fait des mêmes instruments. Mais néanmoins, l'enjeu géopolitique et l'enjeu juridique de l'utilisation de ces outils, en tout cas en ce qui concerne les sanctions, me semble extrêmement important. Je ne maîtrise pas suffisamment le sujet européen et tous les concepts que vous manipulez avec en plus une dextérité, une rapidité et avec des acronymes. Tel que, voilà, je ne peux pas dire que je maîtrise hein, tous vos échanges. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir que, quelles que soient les époques, d'une certaine façon, ce qui est sous-jacent à toutes nos discussions pour l'instant, c'est la question de la confiance ou de la méfiance. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire, dans quelle mesure puis-je faire confiance à un opérateur extérieur ou à un État extérieur vis-à-vis de valeurs qui me sont chère, importante, pour moi centrale, et dans quelle mesure est-ce que la méfiance que j'ai va m'entraîner à aller au-delà? Et j'ai été très frappé du fait que dans vos échanges, là, enfin, dans les interventions d'Alan, Cécile et Charlotte, il y a un effet de mimétisme. À partir du moment où vous montrez avec l'extraterritorialité que vous vous défiez de quelqu'un qui pourrait être un partenaire et qui est souverain, dans cette logique-là, vous devez vous attendre à réfléchir aux effets des effets, c'est-à-dire la réciprocité, évidemment, de l'échange, mais également, là, moi, c'est quelque chose que j'ai développé un tout petit peu, c'est-à-dire le sentiment un peu d'humiliation derrière cette défiance qui va vous entraîner peut-être à une surenchère dans l'extraterritorialité. Je prends juste un exemple que je n'ai pas développé, mais l'extraterritorialité a été imposée au Japon. Il est très intéressant de voir que lorsque le Japon
commencent à occuper un certain nombre de ports en Corée, ils vont imposer l'extraterritorialité des ressortissants japonais en Corée. Et les Coréens, aujourd'hui encore, en parlent comme d'une humiliation. Donc, vous voyez cet effet mimétisme et domino. Voilà. Mais pour la question précise que vous posez, là, je ne suis pas suffisamment spécialiste. Oui, Alan, tu avais une question ? Oui, en réaction à ce que tu viens de dire, Sylvain, il y a quelque chose qui nous a frappé, je crois, avec Cécile, s'agissant de la singularité européenne dont on discute un peu, c'est que les Européens, par rapport à d'autres pays, ont ce complexe colonial. Ce qui explique très largement pourquoi dans les discours, tant politiques que dans le contenu des textes, hein, ça se retrouve juridiquement, il y a cette crainte d'appliquer des mesures extraterritoriales, y compris, je pense, en termes de sanctions. Et il y a une volonté aussi, souvent, de faire appel à des normes internationales, etc., parce que plusieurs pays européens sont encore marqués par une forme de complexe colonial. Et ça, je pense que c'est un élément à toujours avoir en tête quand on étudie la position de l'Union sur cette question-là. Absolument d'accord. Évidemment, je ne peux pas réagir à des choses très contemporaines de discours que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, mais il est clair que dans les pays européens, les opinions publiques et tous ceux qui ont été formés, hein, dans les grandes écoles, à l'université, etc., connaissent ce dossier et savent justement ce sur quoi moi j'ai conclu, c'est-à-dire que ça a un prix à payer. C'est beaucoup moins vrai pour des États neufs qui vont imposer l'extraterritorialité sans avoir cette histoire, donc ce recul, donc ce discours qui est prégnant dans l'opinion publique. C'est une évidence. Par exemple, on a des auteurs, je ne veux pas empiéter sur ce que va dire Cécile, mais peut-être qu'elle voulait dire autre chose, bon. Comme Johann Scott, qui parle d'extension territoriale du droit de l'Union. Et en réalité, à mon sens, hein, même si je trouve que son travail est intéressant, je ne vois pas trop la différence avec de l'extraterritorialité en réalité. Parce que l'Union européenne utilise consciemment son marché intérieur et dans une logique d'efficacité, n'hésite pas à faire en sorte que ces normes puisse s'appliquer au-delà de son territoire dès lors qu'il en va de l'efficacité de son droit et de la bonne application de son droit. Mais on préfère éviter d'utiliser un langage qui rappelle des heures sombres qu'on a envie d'oublier ou une période historique sur laquelle on ne préfère pas revenir. Et Cécile, tu voulais intervenir, je te donne le privilège du préalable, même s'il est 11h22 et qu'il y a quelques questions sur le chat aussi. Oui, alors ça, en fait, merci Brunten. Alors effectivement, je vais essayer de ne pas être celle qui retarde l'heure d'une petite pause avant de reprendre les travaux. Mais je vais en profiter pour répondre en partie à une des questions, notamment une question qui a été posée, parce que je trouve que ça s'enchaîne bien avec la question qui a été posée dans le chat par la question de savoir si la conditionnalité qu'impose l'Union dans ces négociations dans le cadre des accords, alors pas seulement économiques d'ailleurs, mais conditionnalité environnementale démocratique, constitue une forme ou pas d'extraterritorialité directe ou indirecte. Alors, je pense qu'en fait, là, on commence à essayer de situer la notion d'extraterritorialité par rapport à d'autres phénomènes qui sont voisins, mais qui sont peut-être un peu différents. Je pense, Alan disait à l'instant que certains auteurs distinguent l'extraterritorialité dans un sens strict d'un concept d'extension territoriale du droit de l'Union, mais qu'on peut aussi distinguer d'un phénomène d'influence normative de l'Union, qui n'est pas en tant que telle l'extraterritorialité, c'est-à-dire que l'Union diffuse, inspire, invite certains États à converger vers son droit, à s'aligner sur son droit. Alors, pour revenir à la conditionnalité, il me semble que dans ce genre d'hypothèse, ce qu'il faut bien avoir en tête, et à mon avis, c'est aussi ce qui caractérise l'Union, c'est qu'il y a une dimension volontaire de la part du partenaire. C'est-à-dire que si c'est prévu dans le cadre d'un accord, il y a potentiellement l'acceptation par le tiers qui s'engage conventionnellement à respecter un certain nombre de principes, mais non pas pour faire plaisir à l'Union, peut-être aussi, mais aussi parce qu'il partage ces valeurs.
l'heure. Et donc, dans l'idée dans les clauses de conditionnalité que l'on va trouver dans les accords, il y a, à mon sens, le souci de garantir pour l'Union européenne qu'elle conclut des accords qui vont dans le sens de la protection de ses valeurs, de la promotion de ses objectifs, et l'idée que l'on ne fait pas un partenariat où on n'avance pas dans des relations de coopération avec un État qui ne partage pas un minimum de valeurs. Et ce qui permet, en fait, l'insertion de ces clauses permet aussi à l'Union, éventuellement, de se dégager en suspendant l'accord ou en mettant en avant la rupture de ce lien de confiance que traduisent aussi les clauses de conditionnalité, permet à l'Union de se dégager. Alors, s'agissant de la conditionnalité, il y en a des multiples formes. Là, évoquer la question de la conditionnalité dans les accords, mais on a aussi tout un tas de phénomènes où l'Union va pratiquer une forme de conditionnalité qui ne sera pas prévue dans les accords, c'est-à-dire que, par exemple, elle va donner une aide ou déployer son aide de manière unilatérale en direction d'un tiers sous condition de réforme politique ou de réforme environnementale ou d'adhésion à des conventions internationales. Et donc, il y a une forme d'incitation. Est-ce qu'on peut y voir, on peut y voir une influence normative de l'Union? Oui. Est-ce qu'on peut y voir une extraterritorialité de son droit? Je pense que c'est peut-être excessif dans le sens où l'État tiers ne va pas vraiment appliquer le droit de l'Union. Il va, pour obtenir une aide, se conformer à une exigence. Il me semble qu'on est plus dans une logique d'échange de volonté qui n'est pas forcément conventionnelle, qui peut être plus souple sur le plan juridique. Mais il me semble qu'on n'est pas tout à fait dans un phénomène d'extraterritorialité en tant que tel. Alors après, il y a sans doute, s'agissant des questions environnementales ou des questions démocratiques, des manifestations de l'extraterritorialité du droit de l'Union. Mais là, il faudrait trouver des exemples précis. Mais en tout cas, il me semble que les clauses qu'on trouve, en tout cas formulées dans les premières dispositions des grands accords que l'on trouve, ne sont pas en tant que telles une forme d'extraterritorialité du droit de l'Union. Merci beaucoup, Cécile. Alors, du coup, si j'ai bien compris les consignes, s'il y a quelques questions encore, est-ce qu'on les reporte à la seconde discussion après la table ronde ou est-ce qu'on... Il y a des questions, par exemple, sur Instex qui sont posées, qui sont très intéressantes, mais je pense qu'elles s'inscrivent plus dans les débats qu'on va avoir demain, c'est-à-dire sur les réactions de l'Union aux mesures extraterritoriales, puisque c'est un mécanisme qui s'inscrit là-dedans. Et je pense que ça serait mieux que Régis Chemin et Emmanuel Castellarin puissent intervenir dessus que nous, aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus compétents que nous pour aborder ces questions-là. Alan, il y a une question qui m'a été posée. Moi, je peux répondre en 25 secondes. Oui. La question, c'est de savoir comment ces privilèges d'extraterritorialité étaient vécus, interprétés, etc. Il y a deux choses et qui rejoignent ce que vient de dire Cécile. La première, c'est que les juristes occidentaux se rassuraient par le fait que c'est toujours lié à des traités. Des traités qui, en réalité, sont des traités inégaux. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est rassurant sur le plan du droit. C'est beaucoup moins rassurant sur le plan de cette hiérarchisation des civilisations. Et la deuxième chose, c'est que malgré toutes les idées qui sont à la mode, qui infusent et qui font que pour beaucoup, finalement, c'est logique vis-à-vis de l'Asie d'avoir ces privilèges d'extraterritorialité, cela a toujours été discuté dans la doctrine. Les auteurs français, notamment, que je connais, ont toujours discuté ce privilège en disant « mais quand est-ce que ça prendra fin ?» Un peu comme dans le cadre, je sais pas, de la colonisation indienne, on disait un jour, vous les Indiens, vous pourrez accéder aux clubs qui sont réservés aux Britanniques. Mais quand ? Ben un jour. Mais un jour, en fait, ça n'est jamais parvenu. Ben, c'est un peu la même idée. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Boissonnade a été très très insistant en inondant la doctrine française alors qu'il était au Japon. Hein, il y a vécu pendant plus de 20 ans en disant, mais quand est-ce que ce privilège prendra fin ? Donc ça a toujours été discuté. Merci beaucoup. Donc, on peut clore la discussion. Nous allons prendre une pause de 5. Oui, je pense qu'il est très exactement 11h27. On devait reprendre à 11h30. Je propose qu'on reprenne à 11h35. Comme ça laisse à chacun le temps de faire une petite pause. Et de mon côté, je vais interrompre l'enregistrement et je relancerai l'enregistrement à tout à l'heure. Merci pour ces premiers échanges et à tout de suite après quelques minutes de pause. Très bien.